Salut tout le monde, c'est Flo et bienvenue dans le Bid Machine. Est-ce que tout le monde est chaud ce soir? Ok, tout le monde est chaud ce soir et on fait une standing ovation pour Nestor s'il vous plaît. Salut les petits loups, c'est Nestor, j'espère que vous avez la pêche. Aujourd'hui, au sommaire de l'épisode de ce Bid Machine 2017, on vous annonce du lourd. Joule, Maître Gims, Black M, Zaz et... Je crois que mon bon Nestor s'est trompé dans ses fiches, hein. Celles-ci sont celles du top 50. Ah bon? T'es sûr? Malheureusement... ouais. Je disais, au programme de ce Bid Machine, un préservatif, un prêtre, un coréen et Astérix. Voilà un programme alléchant mon Nestor et on y va tout de suite. Et on commence tout de suite avec le rap trop swag de ce pasteur américain ayant pour but de ramener la jeunesse perdue dans le droit chemin. Le pasteur monseigneur Jim Coleric Coleric propose un clip destiné aux plus jeunes pour les attirer au catéchisme du dimanche. Et ce qu'on peut dire, c'est que ça donne envie. Well, I wrote this song for the Christian youth. I want to teach kids the Christian truth. If you want to reach those kids on the street, then you gotta do a rap to a hip-hop beat. So I gave my sermon an urban kick. My rhymes are fly, my beats are sick. My crew is big and it keeps getting bigger. That's 'cause Jesus Christ is my nigga. Mais tout y est culte, que ce soit le Jesus swag du pasteur qui se prend pour Don Corleone. C'est ça, la famille. Le rythme endiablé ou encore ses comparses au chaud comme la braise. On peut noter le sens du rythme de MC Robert au platine et aux effets spéciaux, à moins qu'il fasse un AVC. On note également que le prêtre s'encanaille dès l'apparition de sa femme à l'écran. J'aime me tripoter la cravate. Ah, sa femme sur qui le rap a également un drôle d'effet. Enfin, pour ce qui est du message... La drogue, c'est pas bien. Viens plutôt au caté le dimanche. Malheureusement, la dite église a fermé en 2004. En même temps, on se demande un peu pourquoi. En 9ème place, on retrouve la chanson Don't Talk to Strangers. Cette chanson a été tirée de cette mode américaine de faire un clip pour n'importe quel type de message. Le justicier du bac à sable rappelle aux enfants qu'il ne faut pas parler aux inconnus, car ça peut être dangereux. Ce qu'il faut retenir, c'est que, bordel, les mecs dangereux, ça ressemble vraiment à un gros beauf barbu. Vive les merguez et les chipolatas, faites chauffer la braise et tout le tralala. Et quoi de mieux pour venir draguer en toute discrétion avec une belle voiture absolument pas voyante. Le clip a été retrouvé par un collectif nommé Everything is Terrible, dont la spécialité est de fouiller dans de vieilles VHS et d'en trouver les extraits les plus fous pour les mettre en ligne. Bref, en conclusion, la sécurité de vos enfants, un sujet, dirons-nous, épineux. En numéro 8, on vous fait voyager et prendre un bon bol d'air frais dans la charmante région du Tyrol. Enfin, des vacances, sauf peut-être pour vos oreilles, grâce au groupe Hors Tyrol. Tout dans ce clip est une invitation à la bonne humeur, que ce soit le bon goût vestimentaire des musiciens, leur sourire ravageur et surtout la tête d'ahuri du klaxonman. Quand j'appuie sur un klaxon, ça fait pouette. Bah écoute Nestor, moi je trouve qu'ils ont un petit côté métal. Ah bon? Pour le numéro 7, on ne pouvait pas faire un top sans lui. Voici notre ami Ipaxa et sa reprise de YMCA. YMCA
à noter que l'ami Ipaxa est un chanteur hors norme coréen qui a fait fureur au Japon dans les années 90. Et anecdote amusante, son timbre de voix est directement inspiré des chants épiques coréens nommés Pansori, qui ont pour le coup rien à voir avec ce qu'il fait. Mais ne faisons pas notre fine bouche, hein. Ce qui fait le style inimitable d'Ipaxa, c'est son pas de danse chaloupé, son bon goût vestimentaire et son énergie communicative. Ah, un artiste qui porte bien son surnom de Monkey Magic. Numéro 6, et là je remercie la production de me laisser présenter ce genre de clip. Voici donc l'instant sensuel de l'émission avec The Indian Kingdom Song. నా పేరే నిరోధు రన్న, నన్నెప్పుడు మరువకుమన్న, అందోము బుగ్గను రన్న. La vidéo nous présente une bande de potes déguisés en préservatifs, accompagnés par ce que l'on va appeler le Crazy Crew du camping des flots bleus. Plus sérieusement, bien que voir des mecs super à l'aise déguisés en préservatifs danser sur de la musique indienne et moustiquer nos zygomatiques, il convient de remettre un peu les choses dans leur contexte. La vidéo fait partie d'un vaste programme de sensibilisation indien sur les dangers du sida, programme qui recevra le soutien de la fondation de Bill Gates. Le projet fut mis en place de 2002 à 2008. Ouais, les petits loulous. Et ceci n'était pas anodin, car du début des années 90 aux années 2000, le nombre de personnes infectées passa de quelques milliers à plus de 5 millions en 10 ans. Alors on rigole, mais on ne se moque pas. Non, mais c'est vrai qu'il a l'air con quand même. On entre dans le top 5 avec une bande de joyeux drilles qui s'enjaillent comme jamais et qui nous viennent tout droit des Pays-Bas. Voici les Stop Yes avec leur titre des Disc Jockeys. Avant de monter sur la table de votre belle-mère afin de vous trémousser allègrement, pris par le démon de la danse, voici donc pourquoi ce clip est pour nous un véritable petit bijou. Le joli petit couple dégoulinant de sex appeal par tous les bords, sans canaille devant un fond vert censé représenter une soirée déchaînée à Ibiza. Car c'est bien connu, les soirées en boîte de nuit finissent toujours sur un bon gros morceau franchouillard des familles. Tout ceci évidemment mis en platine par DJ Prozac, qui a l'air de passer un excellent moment. Et enfin, que dire sur ça? À moins que cette tête représente la mauvaise humeur, qu'on chasse à coups de chant tyrolien, bah ça a tout l'air d'être un poil race. Et nous passons tout de suite au top 4, car vous savez tous que sur les chaînes privées, ce genre de choses n'existe pas. C'est parti! Et maintenant, voyageons ensemble dans un pays ensoleillé, chaleureux comme la Finlande, pour découvrir une version remasterisée de YMCA. Encore une. Ouais. La vache, il a pris cher Astérix. Astérix est là. Dans ce clip que nous qualifierons de summum du vintage, un moustachu blond en short moulant et Marcel du dimanche se trémousse de façon intense sur une version finnoise de YMCA. Yeah, yeah. À noter la présence exceptionnelle de Michel Fourniret au piano. Salut mon petit, tu veux tenter de mon clavier? Et la chorégraphie toujours aussi typique du camping des flots bleus. À mon avis, ils ont dû se passer le mot avec les Indiens. Le chanteur du nom de Grégorius aura au moins eu le mérite de nous faire réviser notre alphabet finlandais. On ne pouvait pas faire un top 3 sans lui, c'est un classique désormais culte. Voici Nice Peace. Nice peace,
that's peace, nice peace, that's peace, only my father. Nous avons donc ici un vieux monsieur asiatique déguisé en écolière qui chante une ode à la paix dans un chant entouré d'enfants. On peut difficilement faire plus glauque que cette chanson qui contient des plans provoquant en nous une sorte de malaise morbide. Absolument tout dans ce clip transpire le malaise, ce qui contraste avec le ton très léger de la chanson qui se réclame d'être une ode à la paix. Bref, un très grand moment. Et moi qui cherchais une nounou pour les enfants ce week-end. Pour le numéro 2, nous puisons encore dans le fabuleux vivier des costumes tyroliens avec le groupe allemand The Woodies et sa chanson sur la protection forestière. Dans ce chant écologique, Screech de Sauvé par le Gong et Marine Le Pen déguisée en homme nous invite à prendre conscience qu'il faut arrêter la déforestation, car c'est pas bien de tuer des arbres. Cependant, devant un tel concentré de what the fuck en une chanson, on a du mal à en capter le message. Ceci étant tout d'abord dû à l'état extatique et un brin trop enthousiaste des deux sexes symboles à bretelles. Ne coupez plus les arbres, fumez-les. Il faut dire également que voir un colosse d'1m90 chanter avec une voix d'enfant relève quelque peu du malsain. Tout ceci agrémenté d'instruments aussi champêtres qu'inutiles. Et bien évidemment, la cerise sur le gâteau concerne la dentition très carnassière du monsieur qui a l'air d'être un adepte très fréquent de cannibalisme. J'aime manger des enfants. Tout ceci est déjà au top niveau, mais nous avons encore trouvé mieux. Et enfin, notre top 1. Ils nous viennent tout droit des Pays-Bas, ceux que vous attendez tous, ça va vous décoiffer. Enfilez votre plus beau casque et enfourchez allègrement un scooter avec Grinius et Romana. Tout, 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 mais Romana au scooter. Aïe, 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 et le stupide n'est pas vrai. Je crois que vous avez tous compris ce qui fait le succès incontournable de ce tube, qui avec une telle classe et élégance peut être comparé à une délicieuse choucroute. Le clip commence déjà très fort sur une danse sensuelle et envoûtante de Romana. Les deux zigotos, avec leur incroyable sens du rythme, entendent bien vous donner envie de faire un tour avec eux. A noter le magnifique t-shirt mauve de Rinus qui nous rappelle que les années 90 ont réellement existé. Mais bien évidemment, ce qui fait le succès de ce tube est la sublime Romana, qui pendant tout le long du clip est complètement à fond dans le délire. Petite danse chaloupée, invitation coquine, elle fait même la hola sur le scooter, ce qui contraste avec le regard sérieux et ténébreux du chanteur, se croyant dans un épisode de Sons of Anarchy. Et voilà mes amis, c'était votre Beat Machine, on espère qu'il vous a plu et on vous retrouve très bientôt. Salut Nestor. Salut Flo et salutations à tous les loulous. Mais bien évidemment, on ne peut se quitter décemment sans une petite musique. Yes.